Salut à tous, on s'approche du solstice d'été, c'est la plus belle période dans les serres, toujours des floraisons de cylindropuntia. Certains sont bas et puis d'autres sont arborescents. Voilà, cette fleur est à 1,60 m de haut à peu près. Et la plante atteint 1,80 m pour l'instant, mais elle va monter encore, hein. Belle croissance pour ce yucca. Alors, je suis envahi au pied. Hein. Je pense que je vais le tailler à la tronçonneuse, ce pied qui redémarre. Et puis là, ben, l'année prochaine se posera la question de savoir qu'est-ce que j'en fais puisque ça va toucher le plafond. Ici, Cylindropuntia kleiniae, que je vais bientôt tailler. Ici au Puntia Kakanapa qui n'en peut plus de fleurir, tout va exploser cette semaine ou la semaine prochaine. Au pied, si on regarde bien, floraison d'Aloe aristata, ici et là, au milieu du yucca. Voilà, cette plante n'aime pas le plein soleil, alors ici elle est à ombre ou mi-ombre au pied d'agave et au puntia. Ici, toujours belle floraison pour ce Cylindropuntia spinosior Arizona. Ici, encore quelques fleurs de Puntia tardospina. Ici à l'extérieur, Puntia humifusa commence à fleurir depuis avant-hier. Non, depuis hier. Beaucoup d'autres fleurs vont s'ouvrir ces jours-ci. Ici, belle fleur pour cette Puntia polyacantha. La fleur s'est refermée. Elle était ouverte hier. Première floraison pour ce yucca cette année. Très belles fleurs ici. Floraison ici pour ce Puntia fragilis. Il y en a d'autres en préparation. Voilà, belle floraison qui se termine pour Echinocereus octacanthus. Ici, fin de floraison. Puntia basilaris, aurea plutôt. Et ici, ça c'est chouette. Voilà, avec la fleur qui va s'ouvrir.